Coucou les amis, on se retrouve pour une séance qui va brûler un maximum de calories. Je vous propose en effet un Tabata en 4 minutes. 4 minutes, mais vraiment très intense avec un exercice cardiovasculaire et musculaire. L'idée est de faire 20 secondes d'effort avec 10 secondes de récupération. Ça dure 4 minutes, mais vous verrez que c'est particulièrement intense. Donc, si jamais vous débutez, n'hésitez pas à écouter votre corps et à aller à votre rythme. Peut-être que vous n'arriverez pas à venir à bout de ces 4 minutes, ce n'est pas grave. Commencez tranquillement et puis prenez le temps au fur et à mesure, vous verrez que vous allez y arriver, votre corps va s'habituer. Par contre, pour les gens qui sont vraiment fans d'intense et d'exercices plus intenses que ce que je peux proposer habituellement, eh bien, je pense que vous allez être contents. Et voilà, ça ne vous empêche pas de sculpter votre corps et de brûler des calories en très peu de temps. Maintenant, ce que je vous conseille par contre de faire, c'est d'essayer de faire ces 4 minutes 2 à 3 fois par semaine au minimum, avec pourquoi pas un petit renforcement pour pouvoir bien entretenir. Juste avant de commencer, je vous rappelle que je vous offre ma routine ventre plat et mes postures de yoga pour soulager le mal de dos. N'hésitez pas à les télécharger, elles sont gratuites et je vous mets le lien en descriptif de cette vidéo. Notre exercice cardio du jour s'appelle le snowboard. Donc pour le snowboard, on va fléchir hanche et genoux, bien serrer le ventre et on va faire des demi-tours de droite à gauche. Si c'est difficile, votre option est ici. C'est juste de passer en squat d'un côté et de l'autre, serrer bien le ventre. Allez, c'est parti! Thank you.
Eh bien voilà mes amis, comme vous avez vu, je ne vous ai pas menti, c'était court mais très intense. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas pour vos retours, commentaires et pour optimiser vos efforts, n'oubliez pas de passer sur www.myfitnessleucide.fr. Je vous propose des conseils d'entraînement mais aussi des conseils en nutrition, des recettes healthy pour accompagner tous ces efforts sportifs que vous faites avec les vidéos. Enfin, n'oubliez pas peut-être, si le cœur vous en dit, de rejoindre le groupe Facebook, cours de fitness, yoga et pilates en ligne. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos.